Salut à tous, on fait le point crypto. Donc alors, le ADA. ADA, on en était où en daily? En daily, on en était à cette espèce de compression qui se faisait ici. Avec une proposition d'achat au milieu du range qui est déjà à break-even et pas loin du TP1. On a des alertes d'excès de volatilité ici, donc on pourrait pullback, alors pas forcément ce niveau, mais venir ici vers 1,34 111 éventuellement, ou alors on recte le truc directement, c'est-à-dire comme ici, c'est-à-dire on accélère, mais si on fait comme ici, hop, on peut redrop. Alors H4. Donc toujours pareil, hein. Sur les vidéos, je regarde weekly, daily, H4. On a une zone ici. Ok. Si on va... J'ai pas Epic Pen. Oula, mais s'il était caché en fait. Toujours pareil. Si on double corrige, est-ce que ma golden extension se projettera sur... Oui, ça ira. Ma golden extension va tomber pile sur le TT. Conclusion, j'ai une zone intéressante à trade. Maintenant, ça c'est le niveau purement, comment dire, technique. Niveau de prix horizontal, extension Fibo. On peut regarder les retracements Fibo, même si on verra que dans les statistiques, ouais, c'est bon, j'ai 61,8 qui tombe sur la zone. Donc voilà, belle zone sur ADA pour essayer de faire quelque chose. Si ça double, corrige. Comment on fait? Si on arrive dedans, on regarde le 1 minute ou le 5 minutes. Et s'il y a des signaux, on prend. Maintenant, je regarde les signes d'alerte. Signe d'alerte, c'est quoi? C'est le daily. Daily, est-ce que j'ai une divergence daily? On va pas regarder celle-là. Là, celle-là, cette divergence, elle est finie. Elle est consommée, j'oserais dire. Vous voyez, hop, on a cassé la trend. On avait fait une première série de divergences ici, une vague étendue. Il y a 3 ou 4 divergences d'affilée. On a cassé la trend, on est allé faire une nouvelle vague. Et on a cassé la trend aussi. Donc là, on cherche une divergence à partir du bottom de cette vague-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, on va quand même regarder sur l'unité de temps inférieure. Sur l'unité de temps inférieure, j'ai pas de divergence. Pourquoi je fais ça? Parce que si on est dans des mouvements très verticaux comme ça, mais on peut ne pas avoir assez d'oscillation du prix pour créer la divergence en daily. Par contre, en H4, on verrait très bien le RSI faire ça et le prix faire ça. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important de regarder. Donc là, sur le RSI, sur le, oui, le RSI, je n'ai pas de divergence H4. Ok? Et je suis plutôt en train, sur le momentum, de créer une convergence bear sur le H4, ce qui pourrait nous projeter sur cette zone ici. Et quand je regarde le weekly, et eh bien le weekly à l'heure actuelle, je suis divergent. Okay, j'ai bien cassé le plus haut en clôture ici, pour le moment, et mon RSI non. Donc pour le moment, je suis divergent. Donc ce qui va bien avec les poupées russes, disant que le weekly est divergent, donc je suis en alerte, la trend weekly passe rouge, je serai forcément divergent sur le momentum, sauf si on accélère, quand on voit jusqu'où on a retracé. Donc j'ai l'alerte weekly. Et le weekly, ça peut mettre du temps à se mettre en place, donc je vais surveiller sur le daily. Pour l'instant, je n'ai pas d'alerte sur le daily. Le jour où j'ai la divergence qui apparaît sur le daily, bah, il sera temps de sortir beaucoup d'ADA quand j'aurai une divergence qui apparaîtra sur le H1 ou le H4. Voilà, donc ADA, on a au cas où une zone identifiée ici si on y va. Et si pour vos ADA que vous avez déjà dedans, tant qu'on ne diverge pas daily, bon, bah, on attend. Algo, mais algo, c'est ce que je vous disais, hein, on patauge,
Patauge sévère, je vais finir par y arriver. Je vais le virer celui-là. Un peu plus juste à cause des mèches de l'autre. Il est dans la golden extension, on arrive dans l'égalité de temps. C'est-à-dire on va rentrer dans le rectangle. Et algo, ben pour l'instant, c'est toujours très très difficile. Ok, je m'attends pas de divergence daily parce que pour l'instant j'ai pas du tout de mouvement qui fait impulsif. Vous voyez un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il n'y a pas eu de divergence sur le RSI ici. Si je descends sur le H4, j'en ai pas non plus. Et si je descends sur le H1, j'en ai pas non plus. Bon, bah ok. Très bien. Donc, algo, ben normalement, si vous avez suivi, vous avez pris un TP sur les 1,50. Enfin, sur les 1,52, voilà. Ben donc, à partir de ce moment-là, normalement, vous risquez rien et on vise, on vise l'accélération. Par contre, si algo il lâche, normalement, vous ne perdrez rien. Et je ne sais pas jusqu'où on peut redescendre, mais sur Kraken, je vais me mettre une petite note et je vais mettre des ordres de bail ici. Parce qu'avec la liquidité de Kraken, c'est pas impossible qu'on puisse mécher à 0,56, 0,58. Sinon, en daily, on a un peu de monde avant. On a un peu de monde. Celui-là, on peut considérer qu'il est retesté. Celui-là aussi. Bah non, on n'a pas grand-chose. 0,64. Ben voilà. Voilà. Donc, algo, toujours très difficile à lire. La même chose que la dernière fois. On s'expose à 1, 2, 3. Tac. Voilà. Et si on regarde la Golden Extension. On sera en plein dedans. Ok, donc ça c'est pas pour vous faire peur hein, et vous dire tout va cracher. C'est juste pour vous dire si on va là, c'est intéressant. C'est un bon prix. Pas cher. Atom. Bon, ben Atom c'est bien. Vous voyez, hop. Ce que je vous disais hier, hein, c'est qu'on pouvait aussi se projeter plus bas sur Atom et il a choisi l'accélération. Donc en daily, là, on lâche un joli TT. D'accord? Très propre, c'est-à-dire, il y en a qui ont tenté de vendre la résistance oblique, ils se font retourner. Donc là, on a un joli niveau. Ok? Si on pull back ça, c'est intéressant à acheter. Donc cela ne sert plus à rien. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence H4. Donc, ce qui est possible, c'est qu'on fasse un autre pic pour diverger H4, qu'on vienne pullback ça, et ça, ce sera une zone intéressante. Le BAT, toujours pas de divergence daily, donc toujours pas d'inquiétude. C'est la même chose que la dernière fois, on avait mis l'alerte est là, donc voilà, il y a juste à attendre, voir si on a un pullback. BNB. Donc BNB faiblit. Vous voyez, il a du mal à repartir. Au passage, hein, vous aviez le petit signe d'alerte ici. On pullback bien la ligne bleue. Alors, le BNB, il y a une grosse zone à 400. Ok, ça c'est une grosse zone. Si on y va, clairement, moi je serai agressif dessus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de divergence daily encore. Mais on sent qu'on a peut-être besoin de refroidir un peu comme il y avait ici. La traîne est rouge. Donc ça ne veut pas dire qu'on va down jusque-là. En plus, venir ici, hein, ça ferait pullback l'ancien top. Donc ça peut être intéressant. Et en attendant, il y a une zone intermédiaire, celle que je vous ai mis, qui est ici.
Alors celle-là, pourquoi elle m'intéresse? Elle m'intéresse car on a possiblement... Voilà. Une superposition avec 100% d'extension qui va se trouver par là. Et cette première zone. Donc, dans l'idée où il a fait un mouvement en 7, d'accord? Donc, une première vague, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. D'accord? Donc les corrections, elles sont ou en 3, ou on double corrige, on fait une quatrième vague ici, et on refait en 3 derrière. Ça fait 7 vagues correctives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Et c'est la même chose, on a d'ici, ici, à ici, la golden extension. Donc c'est ce que je cherche à jouer si c'est ce que il propose. Et je trace le canal H4 ici. Voilà. Donc si on vient chercher ça, que ça rebondit bien, que dedans on a des divergences M1, M5, on prend stop loss sous la bougie signal. Tant qu'on est dans la zone, on essaye ça. Si cette zone décroche, on va voir la zone d'en dessous. Ok, si on vient dessus, que par exemple on fait juste la mèche et qu'on remonte que ça n'a pas été possible d'acheter, on attend par exemple sur le 5 minutes la cassure du canal, on créera très probablement un TT sur le break, et bien on buy le pullback. Voilà, donc BNB, il est avec les alertes voilà, qui sont en place, on le suit. Je vais mettre une alerte sur le canal aussi, sur la sortie, ouais. Hop. BTC. Donc BTC un peu pareil, on a un excès de volatilité ici, on pourrait pullback la ligne. Pourquoi j'ai plus du tout de graphe? Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Bon, poil de ligne, je vais dire. Ils sont où tous mes tracés Ça on peut virer, ça on peut virer, ça on peut virer. Donc BTC, bah, toujours dans cette image de wedge. Rien ne change. Ah, il ne se voit pas sur les UT inférieurs. Ok. Donc BTC en daily, est-ce qu'on div? Non. Enfin, on div comment dire, de toutes ces vagues-là. Ok. En 4 heures, on n'a pas de divergence encore. Donc on attend toujours peut-être encore un push-up, un peu plus. Et surtout, on va surveiller le mouvement en 3 ici. Donc si on est dans une diagonale, donc les rising wedge. Classiquement, le rising wedge d'Elliott, c'est 3 vagues vers le haut, 3 vagues vers le bas, 3 vagues vers le haut, 3 vagues vers le bas, 3 vagues vers le haut. Et ça dessine le wedge. Donc on va surveiller avec beaucoup d'attention le mouvement comme ça. Comment on surveille un mouvement comme ça? Avec une notion de Fibo, donc la Golden Extension. Alors les Fibos sont un poil modifiés, mais n'y prêtez pas attention pour le moment. Oui, c'est bien du H4. Okay. Donc on l'a touché, pour l'instant on rejette. Ok. Avec le canal. Voilà, donc si on push, on vient toucher le haut du canal dans la golden extension avec une divergence H4,
Il sera temps de se calmer. Ok. L'alerte viendra également de la cassure du canal SA. Si à partir d'ici on corrige. Ça peut se tenter. Ok, si on vient là, ça peut se tenter encore des achats. Ça devrait offrir la sécurisation. Après, si c'est pas la, le, si on est déjà en train de cave, bah, ça offrira la sécurisation quand même. Et puis voilà, on sera bien dans la Golden Extension. Donc voilà, petite alarme qui est déjà en place ici. Bon, EOS ne s'arrête pas. Il règle la div daily. Donc là, vous êtes reparti. Hein. Tant qu'il ne rediff pas daily, rien à regarder. ETH BTC s'excite bien aussi. Ok. On va mettre une alarme sur la zone de conso ici. ETH USD n'a plus ou n'a pas en tout cas de div H4 de div daily. Donc vous voyez bien sur le RSI on avait toute une divergence ici qui a bien abouti au sell-off qu'on a eu là et on repart pour une nouvelle vague qui pour l'instant ne diverge pas. Donc long terme, il n'y a pas de d'alerte, d'accord? On est quand même sur une zone de TP dans le sens où en H4 on diverge. D'accord? On a une première divergence, une deuxième divergence. On est en haut d'un canal. Et on avait aussi, on a validé une divergence sur le 15 minutes cette nuit. Ici, ce qui était ce que je cherchais. Donc on diverge H4 et on a une divergence 15 minutes. Il y a des chances qu'on fasse un retracement. Qui peut être intéressant d'essayer de jouer. Donc on a un TTH1 ici qu'on peut regarder comme première zone d'achat. On a un TTH4 ici. Qu'on peut regarder comme deuxième zone d'achat. Ok. On a bien la GE qui sera dedans. Ce qui va nous, comment dire, ce qui va nous aider, c'est voir la structure corrective. Là, est-ce qu'on a fait ça? Donc, on regarde les extensions. Ok, la Golden Extension tombe bien sur la partie basse du TT 1h. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut mettre une ébauche de canal correctif. Ok. Donc si on va là, en tout cas vous voyez que le TP sur le 15 minutes est une bonne idée. Hein. Ça retrace. Donc voilà, maintenant on va voir ce qui se passe ici sur le 1 minute et 5 minutes. Ou si vous préférez attendre, ben vous attendez qu'on réagisse, qu'on casse le canal et vous achetez le TT du pullback. Enfin, le TT du break. Link, la target du butterfly, le 100% d'extension, pouf, ça rejette directement. Ok, je mets une alerte ici. Donc ça, c'était une zone évidente de TP partiel, hein, d'accord? Donc là on a un TT, donc je le garde. Si on le pull back, ça peut m'intéresser. On a un TTH4 également. Ouais, alors je le mets comme ça parce que je suis pas sûr que les mèches existent vraiment. Faudra que je vérifie. Autre que Kraken. D'accord. Mais à voir, si on vient là, éventuellement avec une première div et une structure corrective en 3 visibles sur le 1h, par exemple. Ah, c'est déjà visible. 1, 2, 3. Ouais, mais si on s'arrête là, ça m'intéresse pas. Donc ce sera plutôt une structure en 7 sur le 1h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, plutôt quelque chose comme ça.
LTC, on arrive presque à 300 dollars. Mais toujours pas de div daily, donc pas d'alerte. Donc, si pas d'alerte, ça veut dire qu'on cherche des achats. Si on cherche des achats, on commence sur le daily. J'ai mon TT qui est ici. Je mets une petite alerte. Celle-là, je la vire. Sur le H4, j'ai une autre zone ici. Ok, donc là vous dites, ouais, mais les deux zones elles sont assez rapprochées. Oui, c'est vrai, mais on va regarder du coup la structure sur les petites unités. Donc là, on dit vachant. Donc on est peut-être en train de finir la vague qui est là pour faire un pullback en 3. 1, 2, 3. Donc si vous avez la golden extension qui se projette ici, c'est parfait. Ou alors un pullback plus important sur l'étage en dessous. Vous voyez que pour tous les coins, c'est le même raisonnement et c'est toujours pareil. NeoUSDT, on a dit qu'on attendait. Quantum. Donc pour l'instant, il div daily, donc attention. Donc pour l'instant, on va pas y toucher. Ce qu'on va surtout faire, c'est mettre le TT ici. Avec l'alerte. Et la même chose ici. Il y a déjà l'alerte. Ok. Ben c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Voilà. On va regarder la DeFi rapidement. J'ai oublié hier. Donc AVE, AVE, il n'y a pas franchement de div, on est quand même bien sur la première target. Mais bon, on peut espérer la div weekly. Ce qu'est en train de faire balle. Ok. Donc balle dès qu'il div daily en plus du weekly. Attention, il va falloir alléger sérieusement. Le dot patauge toujours dans la semoule. Donc, mais c'est marrant pourquoi j'ai plus du tout de tracé quoi. Donc le dot, s'il revient à 34, il est intéressant. Toujours dans l'optique d'une double correction ici. Et on va regarder, est-ce qu'on a un TT beaucoup plus bas? Vous voyez, cet TT là, comment on l'avait filé sur Kraken, c'est horrible. Kava. Kava, il div bien. Hein. Moi, j'ai déjà allégé sur les 7. Voilà. Donc, l'autre TPC 9, hein, 100% d'extension. Donc, ça, on attend toujours. KSM, c'est un peu la même chose. Uni. Très bien. Donc, Uni, on peut le laisser pousser jusqu'à la div daily. YFI, on repart sur les plus hauts. On diverge daily. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on diverge H4? Pas encore. Donc si on repousse un coup en créant une divergence et qu'on se retourne, donc on valide un peu la div, bah, il faut alléger si vous êtes dans une optique de d'entrée-sortie. Bon, et Hydra, je mets une alarme à 17, voilà. Pour essayer de voir s'il y a moyen de racheter, et ça, vu la tête du truc, c'est un TT. Voilà, ça va être un TT 17, voilà, daily. Donc, vers 17, ça m'intéresse d'essayer de racheter des Hydra. Et KCS, c'est la même chose ici. Ok, à 11, ça m'intéresse.
Voilà, ben écoutez, on a fait un grand tour et je vous souhaite un bon vendredi.